Bienvenue à vous, le Stade de France, le plus grand Stade de France, et pour nous tous, déjà des souvenirs mémorables dans ce géant dionysien. Et voici donc la République tchèque contre la Turquie. Grégoire Margoton pour vous servir, et à mes côtés, notre expert maison, Darren Tulent. Hello Grégoire, ravi de vous retrouver pour cette rencontre. National est toujours un moment très solennel. Le temps est venu de découvrir la composition des deux formations. C'est parti! Nesid va avoir besoin de soutien là! Il cherche un coéquipier dans la profondeur! Dans l'espace? Ah non, ils ne se sont pas compris! Hakan Balta. Caner Erkin. Soukilan. Hakan Balta. Caner Erkin. Soukilan. Caner Erkin. Soukilan. Nesid. Qui est remis dans l'axe. Blasil. C'est intercepté. Enfin un peu d'air pour la défense. Arda Turan. Mehmet Topal. Ballon dans le sens du jeu. Et c'est une bonne course, mais au final, ça ne donnera rien. Ça manque un peu d'initiative, de prise de risque dans ce début de match. Suchi. Blasil. Qui est le premier sur ce ballon? Ça va soulager un peu. Et c'est bien de se montrer patient dans la construction, mais si c'est pour finir comme ça, c'est dommage quand même. C'est le Soukinan. Nesid. Il joue dans la profondeur. C'est repoussé par la défense. Nesid. Si vous nous rejoignez, sachez que vous n'avez manqué aucun but, mais alors aucun. Il joue dans l'espace. C'est parti! Dans la profondeur. Ça va soulager un peu. Arda Turan.
Ça manque de précision, dommage. Arda Turan. Seltsukinan. Kamer Erkin. Seltsukinan. Kamer Erkin. Hakan Balta. Kamer Erkin. Hakan Balta. Seltsukinan. Oh, la passe en profondeur. Super timing à la limite du hors-jeu. Suchi. Oui, ils soignent leur pourcentage de possession, c'est toujours ça de pris. Plaisil. Que la possession ne fait pas tout, le ballon est perdu. Attention à cette passe lobée. Quel timing dans l'interception. Plaisil. Une demi-heure de jeu déjà écoulée. Plaisil. Il allonge. Nessid. Il est lancé vers le poteau de corner. Va-t-il en profiter? Il peut en profiter. Ça ne passe pas. Oui, ce sera un corner. Et le danger est écarté. La passe est précise. Il voit le cadre se dérober pour quelques centimètres. Ah, ça aurait pu faire, je ne sais pas passer loin. Jaillissement, il fallait intervenir. Plaisil. Toujours pas de but ici alors qu'on se rapproche de la pause. Mehmet Topal. Arda Turan. Dans la profondeur, sur le côté. Bien joué ça. Il est en bonne position pour centrer. Le voilà servi. Allez, plus que 5 minutes à jouer avant la pause. Il peut se passer encore beaucoup de choses. La passe dans la profondeur. C'est bien la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Kamer Erkin. Seltsukinan. Burak Yılmaz. Pour trouver la faille dans la défense. C'est
Déjà la pause, j'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent en action. Ils n'ont jamais vraiment été inquiétés dans cette première mi-temps. Le crédit revient à toute l'équipe. Ils ont défendu de partout, tout en restant très très bien organisés. 0-0, on espère juste voir un tout petit peu plus de jeu dans la seconde période. La seconde période, c'est parti. La République tchèque, pour moi, a dominé cette première période. Bon, ça ne se voit pas au tableau d'affichage pour l'instant, mais ça pourrait venir sous peu. Arda Turan. Arda Turan. Il cherche un coéquipier dans la profondeur. Ça peut être dangereux. Ah, ça n'ira pas au bout. C'est propre. C'est ce qu'il a. Dommage, ils avaient pris leur temps, mais au final, le ballon est rendu à l'adversaire. Si vous venez de nous rejoindre, pas d'inquiétude, vous n'avez rien manqué. Toujours 0-0. Kaner Erkin. Touche. Suchi. Brésil. Et le geste plein d'autorité qu'elle tacle. Kaner Erkin. C'est ce qu'il a. On a passé l'heure de jeu. Les minutes s'égrènent, mais on attend toujours le premier but dans cette rencontre. Long ballon dans l'espace, il la tente. Oh, but! Ah, c'est beau le foot quand ça combine comme ça, un peu de tiki-taka et hop, c'est dans la boîte, bravo! Je reprends, ça fait 1-0. Ils vont courir après le score, mais ils ont largement le temps de revenir. Bonne interception sur cette passe en profondeur. Arda Turan. C'est le Soukinan. Burak Yılmaz. C'est le Soukinan. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. C'est le Soukinan. Nesid.
Brésil. Une très longue passe. Il est à distance de tir. Il peut frapper. Sur le poteau. Attention. Et il trompe le gardien. Et voilà qui rend les choses intéressantes. Le prochain but va être crucial. Quelle envie, il s'est jeté sur ce ballon. Mais il faut communiquer dans ce genre de situation. Messieurs les défenseurs, vous êtes à la rue. Ça repart du rond central, égalité parfaite. Et oui, ils ont manqué de concentration sur ce coup-là. Ils pensaient encore à l'abus. Et maintenant, tout est à refaire. C'est puissant sur l'aile. Ça, c'est une interception parfaite. C'est joué long, attention. Oh, voici celle sous Kinan. Dans l'espace. Ce serait une remise en jeu du gardien. Oui, ça pourrait passer sur l'aile droite. Et le ballon a franchi la ligne. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. C'est le Soukinan. Bonne intervention. Brésil. Brésil. C'est le Soukinan. Burak Yılmaz. Glisse le ballon en profondeur. Faut frapper là. Le but de la Turquie. Et il passe devant. Face au but démarqué, ça ne pouvait pas se terminer autrement. La passe était millimétrée, elle lui arrive dans les pieds. Il termine l'action comme il sait le faire. C'est génial. Sa préparation est terminée, on dirait qu'il y a du changement dans l'air. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus, alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que le voir courir jusqu'à épuisement. Les voilà avec un petit but d'avance. Ils sont bien récompensés de leurs efforts. Maintenant, il va falloir tenir ce résultat. Kalec. Brésil. Quel tacle! Mauvaise remise en jeu, c'est récupéré. Rosicki. Arada Turan. Burak Yılmaz. Il ne reste que quelques minutes pour ne pas avoir de regrets en fin de match. Allez, à l'abordage.
Ils peuvent le faire. Quel but! Oh, quel but! Oh, ça va être un match serré jusqu'au bout. Et quand on lui offre autant de liberté, ça se termine souvent comme ça. C'est quand même inquiétant d'encaisser des buts comme ça. C'est soit un problème de communication, soit un problème tactique. En tout cas, il faut vite trouver une solution. Voilà les deux équipes à égalité. Ah, ça c'est un grand classique. Ils sont encore en train de fêter le but et hop, ils se font remonter. Rosicki. Nesid. C'est bien fait ça. Quelle belle frappe. Et en finesse, ça aurait pu faire but. C'est repoussé, ça peut revenir. Malta. Il change complètement de côté. Rosicki. Dans le dos de la défense. Burak Yılmaz. C'est joué long. Plus le temps de tergiverser, c'est maintenant qu'il faut tout donner. Blasil. Rosicki. Il doit vite trouver une solution. Le bon dégagement. C'est bien beau de vouloir temporiser, faire tourner le ballon, mais il va falloir un petit peu de percussion. Le ballon sort en touche. Il tire. Et il rate le cadre. Touran. C'est fini, le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Et ce match se termine sur ce score nul, mais franchement, on ne peut pas être frustré à l'issue de cette rencontre. On a eu droit à un vrai beau spectacle de foot. C'est un match nul, c'est certain, mais il y a du positif à en tirer. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci Darren de nous avoir livré vos analyses tout au long de cette rencontre. À très bientôt, salut.